Salut tout le monde, c'est Leoven Cliff. On se retrouve donc sur le level 2. Bon, là je vous explique vite fait. En fait, j'ai déjà fait une première prise sur tout le jeu, mais le début a foiré. Du coup, en fait, je vous le refais en deuxième prise. Donc là, c'est ma deuxième prise sur le début. Et je vais rejoindre juste un extenseur qui se trouve pas loin, dans lequel je mettrai en continuité la première prise. Donc. Là je souffre énormément en fait, parce que j'arrête pas de faire des prises, parce que Fraps il enregistre en accéléré le jeu, je sais pas pourquoi, me brise complètement les couilles, j'en ai trop marre, j'en peux plus là, je suis à bout. Vous imaginez même pas à quel point j'ai souffert pour vous poster ce putain de vidéo. Ok, j'ai eu des coups de feu sur Westerland, chez Pope. J'imagine que tu vas là-bas, mais fais attention, on sait pas ce qui s'est passé. Hop. Donc le scénar, donc on incarne Faith qui est une messager dans un monde totalitaire, où la criminalité n'existe plus, donc tout est propre, tout est blanc. Mais contre ça, en fait, le gouvernement a vendu la liberté des habitants, quoi. Donc, il n'y a plus de liberté d'information, tout ça, et Faith est un messager, donc il court sur les toits pour délivrer des messages. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et ben, donc voilà, c'est ça au niveau du scénar, et donc là, on a entendu des coups de feu. Il paraîtrait qu'il y aurait une autre sœur qui s'appelle Kate, donc qui est dans l'immeuble où il y a eu des coups de feu. Donc on va aller inspecter un petit peu ce qui s'est passé. Il paraît que le Pope est mort, donc c'est un mec qui voulait changer des trucs dans la ville. C'était un nouveau maire un petit peu. Et là vous voyez une des spécificités du jeu, les temps d'ascenseur, les temps de chargement qui sont camouflés en ascenseur. Bon, ça fait un peu chier, surtout qu'ils sont un petit peu longs. C'est un petit peu dommage. Je vous laisse apprécier la cutscene. Nous allons rencontrer Kate. Et Pope aussi. Kate, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que... C'est toi? Non! Tu ne le reconnais pas? Je devrais. C'est Robert. Robert Pope. Un ami de papa. Merde, c'est lui? Il m'a appelé. On s'était pas parlé depuis un sacré bout de temps. Il s'est fait cambrioler. Il est toujours en campagne. Tu lis pas les journaux? Les journaux n'existent plus. Y a que de la pub. Il voulait devenir maire. Donc c'était plus simple qu'un cambriolage. C'est ce que je croyais. C'est bizarre. Il a parlé du cambriolage, m'a demandé de venir, et il a parlé de toi. Vraiment? Ça doit faire 10 ans que je l'ai pas vu. En tout cas, il était vivant à mon arrivée. Assis à son bureau, à écrire. Et puis, plus rien. À mon réveil, il était mort. Et je pense qu'ils ont utilisé mon arme. Il y avait un livre aussi. Un agenda. Disparu. Il devait y avoir quelqu'un d'autre dans l'immeuble. Ma radio était dans la voiture et j'ai eu le temps d'appeler personne. Allez, viens avec moi. Je vais te mettre à l'abri. C'est pas le moment de fuir. Je suis pas comme toi. Si je fuis, ils me croiront coupable. Tu crois que c'était un accident, Kate? Rien n'arrive par hasard dans cette ville. Quelqu'un voulait le tuer et te faire porter le chapeau. Aide-moi. Pitié, Faith. Tu as des contacts. Il devait savoir quelque chose de très important. Quelque chose qu'il voulait me dire. Je ne veux pas être mêlée à tout ça, Kate. Oh. Tu sais comment je vis. Génial. Je ne peux pas. Les flics arrivent, Faith. Je te suggère de détaler. Disons, vite. Je t'aiderai, Kate. S'il m'arrive quelque chose, va trouver Miller, mon supérieur. Donne-lui tout ce que tu trouveras. Je suis sérieux, Faith. Souviens-toi qu'il ne plaisante pas. Dégage de là. Allez, vas-y. Et Faith, merci. Donc voilà, donc ils auraient utilisé l'arme de sa sœur pour tuer Pope, pour lui faire porter le chapeau. Et là les flics arrivent, alors nous, on se barre. D'ailleurs j'ai remarqué dans la deuxième vidéo, le moment où on est poursuivi par la police, normalement il y a une musique techno comme ça qui se déclenche. Et c'est pas déclenché, je sais pas pourquoi, c'est à moitié un bug je pense. C'est dommage. Hop. Donc vous voyez que les musiques c'est soit des musiques d'ambiance, soit des musiques un petit peu plus technologiques comme ça quand on est poursuivi. Les musiques sont vraiment super dans ce jeu, hein. Franchement moi j'adore. Notamment les musiques d'ambiance qui elles imposent le respect. Et il y a un thème qui est devenu culte, le thème du jeu, donc qui est repris de la chanson Still Alive de Lisa. Comment il s'appelle déjà? C'est Moscow quelque chose. Je sais plus exactement. Et ce thème est juste super.
Il est devenu culte, quoi. C'est vraiment une chanson super. Donc j'ai remis les trucs en rouge, vous voyez que les éléments sur lesquels on peut interagir sont en rouge. Donc voilà au niveau du scénar. C'est pas un scénar très intéressant qui va pas vous faire aimer les personnages. Merde, il me tire dessus, enfoiré. Mais il est sympa à suivre, il est assez cohérent pour qu'on ait envie de le suivre. Quoi. Moi j'ai trouvé les gens un peu durs quand ils disaient que bon le scénar était une bouse, il est infâme quoi, moi j'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé assez intéressant pour qu'on se donne la peine de le suivre. Ah voilà. Je pense que ça va ramouiller un peu sur la capture là. Encore. Il faudrait que je baisse les FPS encore la prochaine fois. C'est vraiment la galère. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, donc voilà. Et puis après, il y a les cinématiques, donc ils sont en dessin animé comme ça. On sent que ça a pas dû leur demander beaucoup de boulot de les faire comme ça. J'aurais préféré des cinématiques avec les visages in-game, quoi. Donc là, on va tenter un truc. Attention, c'est parti. Merde, je me suis gouré de bouton. C'était quoi déjà pour faire le ralenti? Ah oui, c'est R. Bon, tant pis. Parce que normalement on peut faire un wall jump sur le mur qui me permet d'éviter de tomber sur le gros coussin bleu là. Et donc qui nous fait gagner du temps lors des parcours. Parce que oui, il y a un mode parcours. Qui est vraiment pas mal en plus. Là il y a un sac juste en face là, sur le petit truc. Concernant aussi l'option PHX dont je vous parlais la dernière fois. Elle permet aussi de faire apparaître certains personnages, enfin des habitants des fois, j'ai remarqué ça, sur certains moments. Et il y avait des effets aussi avec les bâches, notamment on pouvait voir des bâches déchirées, avec des effets de physique comme ça, vraiment super. Là vous pouvez voir l'une des rares fois où on voit du noir dans Mirror Edge, et ce noir il est juste super bien foutu. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon là je suis obligé d'y aller parce qu'il y a des mecs qui nous poursuivent. Oui, et donc cet effet donc il permet de faire des effets de physique sur des bâches, tout ça, avec des trucs qui flottent. J'ai remarqué aussi que sur des ventilos, il y avait des petits bouts de papier accrochés sur le grillage du ventilo qui qui donnait un effet de souffle qui était vraiment super. C'est vraiment super cet effet, franchement. Dommage qu'on l'ait pas eu sur la Xbox. Et regardez, ça c'est génial aussi, c'est qu'on voit la modélisation complète du personnage. Je crois que c'est le premier FPS où on peut voir vraiment ses pieds. Ses mains, bon, vous regardez là, debout, vous regardez le bas de votre corps, vous voyez exactement ça. Ça, c'est génial. Puis regardez les textures, quoi, regardez les effets de lumière dans ce jeu sont juste superbes. Moi, dans les ascenseurs, je passe mon temps à regarder le grain des murs. On a l'impression de voir les couches de peinture, regardez, qui ont été tracées. C'est super. Les mains de Faith sont superbes aussi. C'est, moi quand j'ai vu le jeu, quand j'ai vu les mains, j'ai fait putain, c'est les plus belles mains de jeux vidéo que j'ai jamais vu in-game. Pas en cinématique, hein, mais in-game. Elles sont super détaillées. Bon là, ça fait un peu blanc sur les ongles parce qu'il y a pas mal de lumière. Tiens d'ailleurs l'effet de physics aussi, là, PHX. Il permet de faire des effets de lumière quand on sort des portes, on a un éblouissement, on s'y croirait, on a l'impression de sortir d'un endroit sombre à un endroit lumineux. C'est vachement bien fait. Ah, un petit mini chargement, ça c'est chiant parce que des fois ça coupe l'action, mais il y en a pas beaucoup donc ça va. Plusieurs voitures de police viennent vers toi, t'as plus beaucoup de temps. Et le truc qui m'a bluffé dans ce jeu aussi la première fois, c'est que c'est le premier jeu que j'ai jamais vu qui représente in-game une roulade en vue subjective, en vue à la première personne. Ça c'était un truc que j'avais jamais vu. Que j'aurais jamais imaginé possible, et en plus c'est super bien fait. Je sais pas si vous avez remarqué qu'on fait des roulades, et la qualité, on croirait se voir faire une roulade. Regardez, c'est génial. Ça, c'est franchement super. Ils ont réussi à faire un effet là vraiment magnifique. Et ça, c'est l'un des trucs qui m'a fait le plus bluffé sur le début du jeu. Ah bah, c'est là, regardez en dessous, on peut voir des gens là. Là, ça, on est dans Xbox, on les voit pas. Pourtant, j'ai désactivé le PHX, c'est bizarre. Alors, peut-être que même sans PHX, on peut les avoir. Peut-être.
Bon là, la première fois que j'avais fait le jeu, ça avait ramé un peu, donc j'espère que ça n'a pas ramé. Pour l'instant, ça va. Regardez-moi ce bleu là dans le métro. Putain. C'est superbe. Elle passe du bleu au rose. Et j'adore les effets de lumière dans ce jeu. L'éclairage est magnifique. C'est... Voilà. Je veux vivre dans ce jeu, quoi. Demain, je vais ouvrir ma fenêtre. Et je vais voir des bâtiments comme ça. Ah non, mais franchement, j'adore. Je pourrais passer des heures à regarder le timbre de la texture. C'est vraiment superbe. Bonsaï! Même pas mal! Ok. Calme, dans ta gueule. Viens là, monsieur. Là, il y a un sac juste en dessous, là-bas. Derrière, là. Sous l'escalier. Vous pouvez aller le chercher, si vous voulez. Bon, je vais pas aller chercher tous les sacs. Hein. Je les avais déjà tous trouvés sur la Bobox, c'est pas ça. Et je vais m'imposer un défi aussi pendant cette vidéo, c'est de ne tuer aucune personne. Donc ne tirer sur aucun flic. Seulement les désarmer ou les battre à coups de poing. C'est possible. Je l'ai déjà fait sur la Xbox et c'est parfaitement possible. Et je trouve que moi, c'est la FPS n'aurait pas dû exister dans ce jeu. Ils auraient pas dû intégrer les flingues et tout. Le désarmement, pourquoi pas. Mais le fait de pouvoir tuer les flics et tout, ça gâche complètement le plaisir de jouer, je trouve. Et la fin du niveau. Sur cette musique là. Et la première fois qu'on fait ce jeu, putain, on en prend plein les mirettes, quoi. Évidemment, c'est que du script. Et il n'y a pas beaucoup de passages alternatifs. Il y a quand même pas mal de trucs pour glitcher, tout ça. J'essaierai de vous montrer quelques trucs comme ça. Vous verrez si vous tapez speedrun sur internet, quand les gens font des parcours, c'est-à-dire refaire les niveaux le plus vite possible, ils trouvent plein de trucs pour aller plus vite, quoi. C'est assez hallucinant. Donc voilà. Je vous laisse la cinématique. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, prochain niveau. Mais c'était quoi ça? Quelque chose les rend nerveux, ma fille. Je sais pas ce que c'est, mais faut pas trop les chercher. Hé, hey, sale. Pas trop dur l'autre fois? Non, aucun flic ne peut me suivre. Mais cela était un peu coriace. Le meurtre de Pope est sur toutes les lèvres. La police s'active, s'emballe. Je sais pas ce qui leur prend. Ça doit être la période des licenciements. Reste sur tes gardes, sale. Sinon, quoi de neuf? Notre messager vole des preuves sur une scène de crime. Maintenant, c'est la fille la plus recherchée par les flics. C'est ça que t'as volé? Ouais, ça doit venir d'un agenda. Le reste a disparu. Tout ce qui est lisible, c'est Icar, on dirait, et vers les sommets. Icar, le personnage grec? Ouais, son père lui a fait des ailes avec de la cire et des plumes. Puis le garçon s'est envolé vers le soleil. Et pshhh! Plus de cire et plus d'Icar. Si quelqu'un sait quelque chose, tu vois qui c'est, Face. Hélas. Je sais qu'il n'est plus messager, mais il a des contacts. Tu peux plus l'éviter. On parie? Qui? Jackknife. Drake a pu localiser Jackknife. Il est sur un toit pas loin des conduits d'évacuation des eaux usées. Et le secteur est infesté de flics.